tout le monde. On se retrouve comme promis pour la présentation de ce fameux livre. Alors du coup, j'ai eu un bug pour pas changer. Du coup, je recommence. Voilà. Ce livre, je vous en ai parlé hier. Et du coup, je voulais absolument vous le présenter. Je trouvais ça super important de pouvoir échanger avec vous parce que moi, j'ai un peu galéré. C'est vrai que je suis débutante sur Disney et que bah, j'y connaissais pas grand chose. Et j'ai eu un coup de cœur. Donc du coup, bah, Colo des Disney, quand on ne sait pas qui sont les personnages ou qu'on n'a pas vu tous les films, moi j'en ai vu très peu, on perd beaucoup de temps. Et du coup, je cherchais. Il y a une encyclopédie qui coûte 40 euros. Je trouvais ça cher pour ce que j'allais en faire. Moi, je voulais gagner du temps. Je voulais aussi découvrir l'univers des personnages. Je suis très portée sur les couleurs, la signification des couleurs. J'ai beaucoup insisté sur les ateliers à l'époque où il y avait des ateliers Messenger sur les petits secrets de Kali. Maintenant, je le ferai plus en live sur YouTube parce que maintenant que je suis sur YouTube, voilà, c'est des sujets qu'on peut aborder. Les couleurs, il y en a qui éloignent du regard, qui rapprochent du regard. Si vous choisissez du violet, vous allez inspirer inconsciemment au spectateur un côté spirituel. Vous voyez ? Il y a voilà un côté magique, etc. Le rose, on part toujours du chakra du cœur. Tout est lié. Et du coup, bah, les personnages de Disney, ils ont un caractère. Pour moi, c'était important aussi de m'y retrouver. Et en cherchant, en farfouillant, je suis tombée sur une vidéo américaine. Et cette vidéo américaine, étant en américain, vous avez vu mon anglais, sachant que c'est la langue étrangère que je parle le mieux et que je comprends le mieux, vous imaginez avec cet accent à tuer. Hein. Et du coup, je n'ai pas regardé la vidéo. Par contre, j'ai vu le titre du livre. Donc, j'étais direct sur Amazon. Et là, révélation, j'ai adoré. Donc, c'est un livre qui s'appelle Who's Who, que j'ai pris sur Amazon. C'est une deuxième édition, puisque dedans, il y a Blanche-Neige et les sept nains en avant. On est chez Hachette Heroes. Tous les personnages de A à Z. Redécouvrez vos personnages Disney préférés et découvrez ce que vous ne connaissez pas. Cette nouvelle édition augmentée inclut les nouveaux personnages de Toy Story 4, Les Indestructibles 2, La Reine des Neiges 2 ou encore En Avant. Classés par ordre alphabétique, retrouvez près de 700 personnages décryptés et de nombreuses anecdotes pour replonger dans le monde merveilleux des films d'animation. Comment s'appelle le chat d'Alice? Qui est Gerda? Quel méchant Disney a le plus de frères? Quelle heure indique la montre du lapin blanc? Quel est le prénom complet de Minnie? Toutes les réponses et beaucoup d'autres dans ce Who's Who pour devenir un expert des Disney, des univers Disney. Donc, c'est exactement ce que je cherchais. Alors, excusez-moi, j'ai changé de lumière. 1, 2, 3, 5, voilà. Parce que je m'aperçois que c'était un peu flou. Et j'ai pas mes lunettes, alors d'ailleurs, voilà. Mais bon, c'est comme ça, je sais pas si c'est mes yeux qui sont flous ou la caméra. Donc, 700 personnages. Vous imaginez, on va pas faire un flip-flouf là-dessus. Parce que du coup, il y a 370 réelles pages. Je vais vous montrer directement l'intérieur. C'est un beau livre. Hein. La couverture est magnifique. Un peu plastifiée, vous savez. Donc, à l'intérieur, on est comme ça. Tous les personnages de A à Z. Vous avez au départ un sommaire avec les personnages classés par ordre alphabétique. Donc, c'est ce que je vous disais dans le premier rush. Où, par exemple, moi, ce personnage, je sais que c'est Alice. Mais je ne sais pas dans quel dessin animé elle est. Ben, je vais chercher A. Comme Alice. J'avais pris l'exemple de un autre exemple, je vais reprendre le même parce qu'il était très marrant, c'est le hasard. Prince Jean par exemple, je sais qu'il s'appelle Prince Jean, je sais pas dans quel dessin animé il est. Et bien là il y a écrit film Robin des Bois, nom original, c'est Prince John, voilà. Et vous avez un texte et vous avez des le saviez-vous à la fin. Donc là c'est pour l'index et à la fin vous avez l'index des films. Et là, l'index des films, eh bien, c'est tous les films qu'il peut y avoir. Donc, vous avez Les 101 Dalmatiens, Mille et Une Pattes, Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, Les Aristochats. Alors, j'ai pas compté combien de films il y a, parce que du coup, il y en a vraiment pas mal. J'irai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On est à 30 livres là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 films. 70 films, 700 personnages. Donc vous voyez, il y a déjà de quoi faire. Et ça, c'est la nouvelle édition, puisqu'il y avait déjà une première édition qui était sortie. Donc moi, je l'ai acheté il y a quelques jours, hein, il y a peut-être une semaine grand maximum. Je peux vous donner la date de l'édition.
pour celles qui l'ont déjà, pour voir si vous avez gagné du temps. Si j'arrive à la retrouver, bien sûr, voilà. Dépôt légal, octobre 2020. Donc celui-là, c'est de octobre 2020. Chez Hachette Heroes. Et je trouve ça génial. Pourquoi ce double système? Parce que tout à l'heure, on connaissait le nom du personnage. Là, si je connais le nom du film, mais pas le nom du personnage. Genre, j'avais pris l'exemple, et je vais vous le reprendre, parce que c'est typiquement moi. Je cherche le poisson bleu. Vous savez, dans Nemo. Mais je ne connais pas son nom. Donc, je vais aller chercher, j'ai le nom du film. Le monde de Nemo. Super. Donc, je vais aller regarder, et j'ai plusieurs pages. Page 15, page 24, page 44, parce que du coup, forcément, page 15, je dois avoir un personnage qui est classé par ordre alphabétique, et dedans, bah, c'est l'amiral, voilà. Après, si je prends l'autre page, page 24, eh bien là, je vais avoir Astrid, voilà, etc., etc. Si je reprends l'exemple de mon poisson, ben, le poisson bleu, c'est Dory, donc si je regarde dans la liste, ça est bien page 90, et si je vais chercher Dory, il écrit le monde de Nemo et le monde de Dory. Alors pourquoi je vous reprends l'exemple? Parce qu'on a beaucoup ri avec Seb. Je l'ai appelé en disant, mais c'est tout moi ça en fait. J'étais choquée de lire le descriptif. Il n'y a pas dans tous les océans du globe de poissons plus attachants, sociables et bavards que Dory. C'est ma cousine. Elle serait ravie de pouvoir discuter toute la journée et de raconter à tous ceux qui lui prêteraient l'oreille tous les détails de sa vie. Encore faudrait-il qu'elle s'en souvienne. Dory est un poisson chirurgien bleu avec des problèmes de mémoire à court terme. Si certaines choses restent imprimées, comme la lecture de l'anglais ou le langage des baleines, la plupart des informations disparaissent de sa mémoire en quelques instants. Un courant sous-marin l'a séparée de ses parents quand elle était petite, ce n'est que récemment qu'elle s'est souvenue d'eux et qu'elle les a retrouvés. Après avoir vécu seule si longtemps, Dory a développé une sorte d'angoisse. Elle craint toujours d'être une sorte d'angoisse de la séparation. Pardon, j'ai pas mes lunettes. Si elle est parfaitement capable de s'occuper d'elle-même, elle craint toujours d'être abandonnée et d'oublier tout ce qu'elle a réussi à retenir. Alors, c'est ce qu'on disait avec Seb, c'est tout à fait moi. Genre, il est parti, je suis « Seb !» Et genre, quand je me lève le matin, je vous jure, ouais, je sens que le lit est vide, je fais comme ça « Seb !» C'est une grosse voix de Barry White. On lui dit « Chérie !» Non, non, moi, je suis la fille, j'ai des cheveux en l'air et je suis Barry White. Et après, si vraiment il est pas là qui répond, je suis limite en larmes en disant « Mon amour, t'es où ?» Mais c'est ça la choque toujours autant, hein. Mais ouais, je suis un vrai bébé. Vraiment la peur de la séparation, coucou ma fille. Donc c'est pour cela qu'elle tient énormément à ses amis et leur est dévouée. Dory fait les choses à sa manière et incite les autres à l'imiter. Donc je pense que c'est vraiment moi. Donc je vous disais tout à l'heure que je m'étais maquillée pour ma fifi, parce que fille, elle voit toujours maman à la maison, malade, j'essaie de travailler, vous fait coucou que ça va. Je travaille un petit peu, je vais au sport, mais voilà, j'aime bien que des fois aussi elle voit une maman féminine et juste pour elle et papa. Parce que papa, des fois, il me voit féminine aussi. Et j'ai la chance d'avoir un mari qui aime le naturel, donc voilà, mais il aime bien que je me fasse coquette. Donc là, je m'étais fait jolie pour elle. Et ce que je vous disais, des fois, d'attirer le regard avec un peu de rouge à lèvres, etc., bah, ça change, en fait, tout de suite. Ça attirer le regard avec du positif ou du joyeux, bah, ça vous renvoie du joyeux aussi. Donc du coup, voilà, c'est plus facile de vivre la journée. Et voilà, donc Dory, c'est tout moi, je pense. Le saviez-vous? À la base, Dory devait être un mâle, mais le scénariste l'a imaginé alors qu'il regardait le show d'Hélène de Généresse, que je connais pas, et a écrit ce rôle afin qu'elle puisse l'interpréter. Dory ne parvient pas à se souvenir du prénom de Nemo. Au lieu de ça, elle l'appelle Chico, Fabio, Bingo, Harpo, Elmo ou Memo. Alors, faut savoir qu'au travail, mes collègues, je vous jure, mais c'est le drame, je les appelle par tous les noms. Genre, on a une collègue qui s'appelle Jackie. Jackie, pendant plus d'un an, je l'ai appelée Frankie. Et je vous jure que c'est vrai. Et j'ai un vrai problème avec les prénoms pour tous ceux qui me connaissent. Je vous jure que c'est vraiment, c'est quelque chose. Donc, je pense que Dory, c'est ma cousine qui s'est réincarnée en moi. T'en penses quoi, chérie? Les gens pensent que t'as raison, mais juste regarder les choses. Ah, et tu regardes autre chose. Tu regardais quoi? C'est moins intéressant que moi, quand même, ce que tu regardais. Oui, bien sûr. C'était quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il me montre? Des gamelles. Ouais, des gamelles. Oh là là, ouais, les trucs de mec. Hein. Bon, en même temps, je préfère ça qu'il regarde une stripteaseuse. Hein. Voilà. J'ai rien contre les stripteaseuses, mais voilà. Ah, c'est moi, Dory. Oui, c'est toi, tout à l'heure, il m'a dit, j'ai le même nez, mais Dory, elle a le nez plat dans ce sens-là. La même bouche. Mais lui, il s'est pris une porte comme ça. Moi, j'ai pris une porte comme ça. Non? La fille, elle se clash toute seule, mon dieu. Donc voilà, donc je vous disais qu'au niveau des couleurs, tout à l'heure dans ma vidéo, je trouve que c'était hyper hyper fidèle, hyper ressemblant. J'adore, alors j'espère qu'en bougeant ma mise au point, on va pas trop sauter. Vous voyez, c'est super joli. Je trouvais que voilà, il y a tous les personnages, il y a tout ce qu'on peut chercher, l'inspiration, gagner du temps au niveau des combos de couleurs. Regardez ce combo de couleurs de rose. Et il y a les lumières, le jeu de lumière et d'ombre qui peut vraiment aider lorsqu'on colo.
à se dire bah, où est-ce que je porte la lumière, etc. Alors bien sûr, il faut que vos personnages soient positionnés de la même façon. Mais je pense que dans l'absolu, ça peut aider, vraiment. Et sur le live, je vous propose qu'on puisse voir comment moi j'ai choisi mes combos de couleurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Moi j'ai ma petite astuce. Et je reprends. Je m'inspire hein, des colos qu'il y a, mais je reprends jamais les combos qui existent. Enfin, jusqu'à maintenant, en tout cas, je n'ai jamais repris. Donc effectivement, ce sera peut-être pas fidèle, mais ce sera mes combos. Là, genre celui-là, cette couleur, alors je sais pas si vous l'avez à la caméra, couleur ocre rosée derrière, là, qui est magnifique. Là, moi, je suis pas très dino, dragon, etc. Pardon, j'ai loqué. Mais là, tout de suite, ça me donne envie, quoi, de colos comme ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce livre va vous donner l'envie. Je vous rappelle, hein, 19,95 sur Amazon, je n'ai pas de lien, je n'ai pas voilà, de sponsor. C'est toujours par plaisir de partager avec vous. Moi, je regrette pas. C'est vraiment un achat. Vous voyez, regardez la robe comme elle est somptueuse. Avec les. Voilà, ça nous donne des idées hein, où poser la lumière sur le drapé et tout. Enfin, c'est. C'est topissime, je trouve. Et ça vous donne une autonomie sans avoir besoin de regarder le tuto en détail de quelqu'un. Parce qu'après, effectivement, le but, c'est aussi de pouvoir coloriser voilà ce poisson-là. Alors, même si c'est pas un Disney que vous colorisez, ben, vous pouvez vous inspirer pour avoir des couleurs d'animaux, de robes, de tenues. Il y a déjà des combos, là, tout fait. Elle, oh, je sais plus qui l'avait aidé, moi. Il y a, je sais pas, c'est pas trop Anokolo, qui l'avait colorisé. Tout début de colo, j'avais vu cette vidéo, j'ai... Oh waouh, elle était magnifique avec la larme et tout, la vraie larme, magnifique ce colo, je n'ai pas retenu, j'ai doré quoi, enfin voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, je peux pas faire un flip flouf hein, parce que 378 pages, on va pas y passer 20 minutes, vous aurez compris le principe de ce livre, je pense que je vous ai montré en gros, en tout cas, les personnages qu'il peut y avoir, hein, regardez, voilà, donc je vous laisse aller être curieux, aller découvrir sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre des descriptifs, et puis bah, écoutez, on se retrouve vendredi pour le live au plus tard, je vous invite, surtout si vous avez des questions par rapport à mes vidéos, des remarques, des conseils, des demandes aussi, profitez de ce live pour tout me dire, me formuler, et puis c'est vous qui l'animerez par vos commentaires, good vibes, hein, café, pyjama pour celles qui le veulent, rouge à lèvres pour celles qui le veulent, enfin peu importe, en tout cas on va colo ensemble, partager, rigoler. Et puis, bah, moi, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à donner aussi. Donc, bah, c'est voilà, c'est l'une avec l'autre. Hein. On pourra pas, enfin, je peux pas le faire toute seule. Donc, surtout, n'hésitez pas à ne rester pas timide. Il y a le chat. Vous discuterez à travers le chat, ça sera que du bonheur. Et puis, en tout cas, si je suis pas toute seule, sinon, bah, je sais pas, je mettrai un Disney en fond d'écran. C'est ce que je vous disais également, ma chienne aboie lorsque, je pense qu'elle a un complexe de dès qu'il y a du silence. Donc, ne soyez pas surpris si jamais il y a la télé en fond avec un Disney. J'essaierai que ce soit pas gênant pour vous, mais ça peut arriver si je veux calmer ma chienne. Et puis, bah, moi, sur mes lives, de toute façon, mon mari passera, ma fille passera. Voilà, moi, ma vie, elle continue parce que je veux plus séparer comme je l'ai fait et où ça prenait trop de temps, déjà que ça prend beaucoup de temps sur ma vie privée, c'est du plaisir, mais il faut aussi que je puisse faire tout en même temps. Donc je vous invite sur le live à tout poser vos questions, à voir ensemble. Moi je vous donne l'idée de voir comment on choisit ses combos, comment je choisis mes combos de couleurs. Vous pouvez me donner des conseils, vous aussi, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver. J'espère que tout va marcher. Je me connecterai un petit peu en avance. Mais voilà, ça sera juste pour faire le test. Donc ne vous connectez pas trop tôt non plus parce que je serai pas OP, je pense. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, activez les notifications. Voilà, pour moi, c'est super important. Et sur ce, je vais vous laisser avec ma phrase, toujours, du jour et de tous les jours. Profitez de la vie, prenez soin de vous. La vie est belle, la vie est courte. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Bisous.